Salut, salut, c'est Hera ou Eracha. J'espère que vous allez bien. Pardonnez-moi ce malaise insoutenable, mais c'est ma première vidéo commentée en fait. Et il se trouve que il y a quelques temps, il y a genre, je sais pas, quelques jours, j'ai décidé de reprendre Modern Warfare. J'ai vu qu'ils allaient sortir le 2, et ça m'a donné envie, après avoir arrêté les FPS pendant un an et demi. De me remettre un peu à Call of, quoi. Et j'avais joué à ce jeu il y a genre 3 ans, un petit peu à sa sortie. Et je sais pas pourquoi, je suis retombé sur des vidéos sur YouTube. Vous voyez l'algorithme bizarre parfois qui vous remet des vidéos de ce jeu, quoi. Enfin, c'était un streamer que j'aime bien. Et bah, je sais pas, ça m'a donné envie. Je me suis dit, bah tiens, doit sûrement encore y avoir du monde sur le jeu. Donc bon, j'ai décidé d'aller faire un tour comme ça, juste. On rappelait quelques souvenirs, mais j'ai raccroché dessus. Et avec l'annonce de la bêta et tout le bordel là, je sais pas, j'ai décidé de m'y remettre quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente une nuke que j'ai faite pardon au Fall avec un build qui s'affiche maintenant. Alors voilà, c'est un build comme vous pouvez le voir, concentré uniquement sur tout ce qui est close quarter, quoi, fait combat au corps à corps, petite distance, voire moyenne distance. Avec ce build, vous pouvez déjà oublier la longue distance. Et en partie privilégier par exemple un contournement ou les moyennes distances, parce que c'est là que vous serez le plus efficace. Ou avec par exemple le stopping power, ce que je mets actuellement là, dans mon arme, les 20 balles là qui sont hyper puissantes. Là, vous pouvez aller au corps à corps, quoi. Parce que à une certaine distance, en fait, ça va one shot à la tête. Ça va être shot, quoi. Ouais. Voilà. Bon, vous voyez, je suis pas du tout à l'aise. Je sais pas du tout ce que je dis. Mais voilà, c'est une nuke que j'ai réalisée sans faire exprès, en fait, parce que je jouais au Fall pour débloquer les camouflages dessus. Et il se trouve qu'en fait, pendant tout le début de la partie, je me retrouvais à me coller au mur, en fait, si vous voulez, pour les camouflages topo, en fait. Vous voyez, c'est les camouflages qui consistent à se mettre contre un mur, ou voilà, à allonger son arme, en anglais c'est mount, je sais pas, mettre son arme sur une surface, quoi, faire des kills avec, il y en a 100 à faire comme ça. Et voilà, c'est un genre de défi que je déteste, surtout avec la Fall, où c'est que je suis vraiment pas à l'aise, je l'avais même pas monté, en fait. Bon là, je crois qu'elle est level max, parce que j'avais fait quelques games avant, j'étais sur le point de finir les camos, là. Et, bah tiens, à partir de là, je me suis vu, j'étais à, quoi, 19 kills, 20 maintenant, je me suis dit, bon tiens, je pourrais tenter la nuke, en fait. Mais je me suis dit, ils ont plus que A. Ça fait que faire yo-yo entre ils prennent A, nous on reprend A, et la nuke de fin de game là qui se met en place quoi. Donc bah, là j'ai décidé vraiment de jouer la nuke. Alors j'ai commencé à faire gaffe, je voulais pas trop rusher sur A parce que y a pas mal de snipers en genre de fin de game comme ça. Quand l'équipe ennemie elle sait qu'elle a déjà perdu, elle a tendance un peu à camper au spawn quoi. Même si là ils ont capturé A qui est à l'autre bout de la map, j'avais pas envie de traverser toute la map, je me suis dit bon il y en a sûrement qui ont même pas dû capter qu'ils ont capturé le drapeau à l'autre bout de la map, ils vont quand même respawn au spawn quoi. Pardon, j'ai foutu un coup sur le micro là. Donc je vous reprends là, en fait je viens de m'apercevoir que mon micro m'a lâché, c'est-à-dire que j'avais continué à commenter le reste de la partie. Et mon micro s'est débranché, alors je vais vous dire pour un premier commentaire, ça commence bien. Donc, ben, qu'est-ce que je disais en fait? Faut pas que je me répète, hein, parce que. Pour changer quoi. Je me disais, il vaut mieux que je laisse prendre. Enfin, je voulais laisser le tank sur eux histoire qu'ils cap, et plutôt aller les chercher au spawn. Comme ça, l'équipe puisse capturer le drapeau E. Et moi. Je vais les chercher au spawn quoi. Bon là je m'aperçois qu'ils ont aussi capturé A et aussi E. Je me dis ça me laisse un peu de répit pour la nuke. Donc qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Parce que je me suis aperçu que. Oui voilà, regardez. En fait, avec Stopping Power,
Même avec ce build, on s'aperçoit qu'en fait, on peut vraiment ajuster de loin des ennemis en two shot quoi. Voire même en one shot si c'est un headshot quoi. Parce que les balles sont tellement puissantes, surtout là avec celle de la Fall quoi. Donc, comment dire, là je suis à 27. Là je vois un tank, je me dis forcément quelqu'un a spawné dessus. Avec de la chance j'ai réussi à l'avoir. Avec Stopping Power encore. Et là il m'en reste deux. Moi, je me suis dit c'est bon, j'ai le temps. Je vais voir s'il n'y en a pas sur eux. Je voulais pas trop prendre de risques. Surtout que là c'était la première nuke que j'allais sortir depuis que j'avais repris le jeu. Moi, je me suis dit ce serait bien d'en faire une, surtout au Fall. Parce qu'après avoir débloqué les camos dessus, je voudrais pas. Je pense pas y rejouer. Encore, c'est pas la pire, parce que je vous présenterai une autre game après plus tard avec une autre arme qui est bien pire que la Fall, que j'ai montée également pour les camos. Donc la Fall, franchement, ça peut rester une bonne arme. Mais sur des petites maps. Là j'ai eu beaucoup de chance. J'ai cru qu'il m'avait vu au moment où c'est que je vais recharger et j'ai tenté de le poursuivre, mais en fait je me suis rendu compte sur la capture que il avait continué à la fenêtre. Et là un autre est arrivé, je suis allé voir derrière s'il n'y avait personne et voilà, je le cueille au jugé. Donc vous voyez un hipfire, enfin au jugé quoi, avec ce build, c'est vraiment faisable quoi. Il y avait moyen de pouvoir gérer ces duels vraiment au corps à corps quoi. Donc là j'ai la nuke, j'étais content, je me suis dit bon bien, c'est pas une nuke super belle. Mais autant continuer quoi, je me suis dit ma série est à. Regardez. Donc là, Stopping Power en two shot, vous voyez. Enfin. Ou même peut-être en. Je sais pas, j'ai pas trop fait gaffe en one shot vu que je l'ai headshot. Non, je me suis dit, moi, c'est ma meilleure série est à 40. Autant continuer quoi. Et là je suis à 32. Non, je lâche un peu n'importe quoi. Je relâche un peu la pression quoi. Donc, je sors du bâtiment. Et là je m'aperçois que mon équipe va capturer eux. Vous allez voir que c'est une nuque assez, comment dire, assez discrète. Parce que regardez, voilà, je l'envoie pendant qu'il y a la nuque de fin de game. Regardez, au jugé, hop là, au jugé, voilà. Vous voyez, pas besoin de viser avec ce build. Vous n'avez pas besoin d'ADS, hein, ça se fait tout seul en fait. Bon, après je vous cache pas contre une mitraillette, là encore, regardez. Un headshot, hop là. Voilà, c'est pour ça que la Fall n'est vraiment pas une arme dégueu, même si j'apprécie pas tout ce qui est coup par coup, à moins de jouer avec des viseurs plutôt faits pour les longues distances, mais franchement je sais pas mon type, je préfère les tout ce qui est point rouge ou même à la mire quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pardonnez-moi ce malaise et tout le tralala, mais c'était ma première game commentée, voilà. Au revoir. Au revoir.